Et donc Exode versus Unite. D'ailleurs, du coup, je pense qu'ils ont dû changer. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont changé de place. Pourquoi je vois pas le texte? Ok, super. Hop. Et voilà. C'est bon, 0 pour Unite. Attends, on va faire ça, t'as raison. Tant qu'on a le temps. Problème, c'est. Ah, tu me mets au début. Voilà. Alors, on est sûr. Ils ont choisi. Ouais. Mais ils étaient forts en plus, c'est le Unite tout à l'heure, hein, contre les Epsilon. Ils ont perdu que 5-3. C'est pour ça que je pense que ça va être compliqué là pour les Exodes. Hop, c'est bon, on a récupéré ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu un petit souci de PC. une tour qui est tombée. Bien sur Bandit. Bandit, ouais, ça va, Bandit Trick. On va attendre Bandit. que ça arrive sur lui, mais ouais, effectivement, c'est la position. Bah de toute manière, tu l'as vu hein, quand t'as joué contre les Exodes en prac récemment, que Tactics s'occupait de ça. Bah d'ailleurs, c'était toi son principal concurrent vu que t'étais Termite. Ah, c'est vrai. Mais ouais, c'est une map qu'apprécient vraiment les Exodes. Ah, Spra qui va essayer de rentrer. On va se mettre du côté de Flex parce que c'est ils vont le rechercher, ils vont être à sa poursuite. Donc il a deux solutions, soit il les tue, soit il fuit, sinon il meurt. Ah voilà, c'est bon. Alors, je comprends pas cette technique d'envoyer le drone de Twitch. Ah, bien joué de la part Discos. D'envoyer le drone de Twitch parce que c'est pas. Qui a réussi, ça va être un duel entre Flex et One Shooter. One Shooter du coup qui tombe bien un Flex et Flex qui tombe bien One Shooter. Il va se faire En avoir. sachant que c'est avantage pour Flex, hein, parce que c'est lui la défense, c'est lui qui est pas. Ouh, et One Shooter qui détruit. Oh, oui! Et ça, c'est le pompe, ça. Parce que je sais pas qu'il est descendu encore. Non, il sait pas. Mais il va faire la même chose, il va redescendre. Attends, il va attendre la descente peut-être. Alors, il va attendre de tirer dessus, je pense que. Ouais, c'est One Shooter qui va venir le chercher. Et il sait pas non plus, hein, One Shooter, comment ça se passe. Hein. Ouais. Ils sont déjà plus que deux. Oh, ils se sont fait surprendre. Oh, il l'a pas vu derrière lui. Ouh. Voilà, ouais, face au pompe, il part. Oh, joli béret de hache. C'est compliqué, le Nike qui. Et là, Flex, du coup, il a fait le boulot. Et c'est très bien. Donc, c'est pas mal. Réussir à trouver Flex et à le décaler. Ah, c'est pas sûr. À prison. Ouais, il va essayer de. Il va aussi jouer le roaming bâtiment rouge. Il a pas réussi à avoir aucun des deux drones. Avec ah, le drone des exodes qui Putain, il est joli, c'est pas un Twix le skin ou quoi? J'ai pas vu. Non, c'est pas Twix. Non, c'est les nouvelles Bustang, je crois. Ouais. Oh, ça sent spawn kill là. Ah ouais, il a essayé One Shooter et il a eu personne. C'était bien essayé. Du coup, ça les a quand même ralentis hein, parce que. Vérifie le roaming, mais les exodes qui n'ont pas été tués. Il y a Void qui joue Glaze. Ça peut être intéressant aussi avec les longues lignes. Ouais, ça se balade un peu partout. Ça cherche. Et Beben qui va aussi jouer le Bandit Trick, mais je suis pas sûr que ce soit dans l'optique des. Un glaze hein, quand même. Hein. Ah Quelqu'un ouais. pour essayer. Mais c'est pas dans l'optique de thermique, je pense pas que c'est dans son optique de partir tout de suite, tu vois, ils sont pas du tout dessus. Ah si, il y a Fisker qui est là, il va attendre un peu, il va sûrement y retourner. Et dans... Là, il tire à travers le castle, ouais. Il y a une info de One Shooter. Ouais, ou c'est ça, ou c'est un pré-shot, hein.
Et 1044 sont toujours pas insérés. Ah, bien joué de la part d'Exode. Ouais, ils sont en train de chercher. En tout cas, ils ont une ligne couverte. Et ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que Void, il va pouvoir bien couvrir la ligne et ils vont pouvoir s'insérer petit à petit. Je crois qu'il y a la ligne qui va venir les décaler à l'extérieur. Non, je pense pas, je pense qu'il se cache. Ouais, il se cache. Ouais, justement, il est au taquet s'il y a besoin, mais il se cache là. Ça va venir planter de ce côté-là. Ouais, de toute façon, c'est Fisker qui a le diffuseur. Il aura l'info ou il entendra que ça pose. Il va venir lui-même tuer le poseur de bombe. Gagner du temps, parce que ça va jouer dans les dernières secondes. Ah, bien joué, regarde. Bien joué de la part de One Shooter. Ça arrive avec quoi? Ouais, c'est bien joué là, il est vraiment bon. Là, il montre son talent. Ah. Et là, quand même bien progressé hein, depuis la GA. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il va essayer de prendre. Ouais, il a rien eu. Ah, du coup, c'est pas encore fini hein, pour les Exodes, il reste 20 secondes. Ouais, il est remonté, One Shooter déjà. Hein. Il est déjà remonté. Ah, il s'est flash. Est-ce que 10 secondes et il est en train de poser. Ouais, il est en train de poser. Il a raison. Hein. De toute manière, il faut tester. Hein, Je sais pas s'ils ont l'info que ça pose. Et là, ils ont réussi à couvrir. Bien joué de la part de Fisker. Qui est mort. Va falloir aller chercher Glaze. Et Glaze va falloir aller chercher. Ah, bah il est à terre. Bon, bah c'est fini. Ouais, c'est fini. Eh ben, c'était une game. Ça a balancé des deux côtés à chaque fois là. Et donc ça fait. Et donc là, ça fait un partout. C'est pas fini hein, pour les Exodes. Ils peuvent le faire, mais les Unite ils sont beaux aussi. Je pense que là, voilà, on a retrouvé au moins les Exodes. Hein. On les avait perdus hein, face aux Epsilon. Là aussi, on les a pas vus au top de leur forme sur le début du match, mais ils sont revenus dans la partie. Tenez pour gagner ou décrocher au moins l'égalité. Ouais. On va voir les drones. Ce qu'ils en font, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Il y avait un Capcan. Voilà. Il a vu l'info, même pas il va chercher ailleurs, il se cache, il a raison. Ah, ils ont tous info, ils ont tous les drones circulés, c'est impressionnant. Ah, et ça c'est vrai que c'est utile parce que le nombre de drones qu'on peut garder, on l'a vu hein, tout à l'heure sur l'assaut qu'ils ont lancé face aux Exodes là, sur la première map. Ça leur a vraiment permis de pouvoir savoir exactement où étaient les ennemis. Les Spray, il avait éliminé deux personnes comme ça. Alors on va voir où ils ont spawn. Le spawn si. Mais j'entends un bruit, est-ce qu'il y a... Non, ils ont pas de roamer sur bâtiment rouge, ils sont tous là. Bah non, il en manque un. Non, il est là le flex le dernier. Voilà, attention, ça peut être important ce... Ouais, je vais voir ce qu'il va faire parce que c'est intéressant ce qu'il est en train de surveiller. Il surveille bateau. Ouais, parce que du coup on a l'impression qu'il est en extérieur, mais en fait non, il est toujours dans le bâtiment et donc il est pas repéré. Je pense que les attaquants ont eu l'info par contre. Il y avait un drone... drone pas loin. Ah, regarde Beben. Beben ouais. Ah bah c'était pas son... ils ont l'info, voilà, et ça a été décalé. Ils sont... Ah c'est pareil, Xos il va se faire traquer maintenant, c'est le roamer. Il se fait traquer par devant, il se prend des pré-shots. Ça va le prendre en sandwich, hein. Apparemment là ça vient sur les... Ça va venir sur les... Il vient de décaler, c'est qu'il vend. Voilà, il s'est fait décaler. Il était encerclé, c'était sûr que ça allait être compliqué. Ah, il a pas mis du bon côté. Dommage.
Il s'est fait tirer dessus en plus, mais il a de la chance hein, parce qu'il a des ennemis partout autour de lui. Ça va. Surveiller du bas. Garage. La défense. Des mid life. Ça va être compliqué pour les exodes de remonter. C'est pas fini encore hein, parce que ouais, là par contre effectivement ça va être Tactics obligé de se replier. Et on a Fisker qui attend hein, patiemment. Ah, la victoire des exodes sur un coup là, ils sont complètement perturbés, ça Ouais, sent pas du tout c'est la trappe de l'engrenage. derrière en plus qui a cassé. Là ils sont. Ils ont fait une défense large hein, parce que de toute façon ils sont obligés, hein, ils peuvent pas faire autrement. On a bien joué la Unite, ils ont bien renfermé sur eux-mêmes, ils étaient obligés de s'échapper, du coup ils avaient plus, ils défendaient plus les lignes. Avec la jolie licorne en pendentif qui coûte déjà une blinde d'argent. Donc c'est pas mal. J'ai pris moi la licorne. Ah, je C'est sais pas rare. comment tu fais hein, moi j'ai pas assez hein. Ah bon? Même pris des têtes en plus. Ah et tête, j'avais que celle de Smoke, je me demande si c'est pas avec le saison de passe que je l'ai gratuitement. Eh oui. La jaune. À part ça, ouais, ça coûte bonbon. Et on est parti sur une défense de map avec d'habitude une défense. Enfin, ouais, c'est bon. Les méthodes ont fait un gaz. On va tenter des gales par la fenêtre, à mon avis. Ça va être. J'espère qu'il va pas retomber dans la spirale de dernière pour réussir à gagner cette attaque. Avec une défense au-dessus, avec deux roaming, je pense. Ah, ça pose hein, les trappes, hein, normal, c'est logique. On prend pas de risque. Et y a Sprak qui attend juste devant la trappe que ça monte sur lui. Je pense que il va, soit il va se faire tuer, soit il va en avoir un. Enfin, il y en a forcément un qui va mordre à l'hameçon. Pas en fait. Sprak, regarde. Il est juste là. D'accord, il a Et puis pris il y a un petit Kha'Zix. Ils font une défense à deux encore en haut. Ça c'est pas mal. Là les deux, ils vont. Je pense que les Exodes. Ouais, c'est. Ah, Sprite, il a. Ouh, il a vu Glace parce qu'il risque de le prendre là. Ouais, je pense pas qu'ils l'ont vu, mais c'est dangereux. Hein. En tout cas là. T'as vu, t'es rentré ou pas? Non, il est toujours dehors. Non, Termite est pas rentré, il est à l'extérieur, il est en train de monter en grappin. Et il s'est fait attaquer à Glaze Void. Oh, et c'est Glaze qui fait tout ça. Ouais, c'est Glaze. T'as vu ça, la distance qu'il a. Ah, il y a Tactics, ouais, il y a Tactics maintenant qui va aussi venir le récupérer. Ouh. Et petit trou. Alors je sais même pas si RL tu peux le faire ça, ah, il est mort. Je crois que Spra aussi il est à terre. Ouais, il va se faire achever. Voilà, bien joué. Et du coup ils ont totalement investi. Alors ils sont où Profite de leur Oh, il est descendu, on l'a vu descendre et tout de suite tué par Beben. Ah, bien joué, one shooter tué. Et comment ça se fait qu'ils sont encore deux? J'ai oublié quelqu'un Deux, dont un, enfin, un et un cadavre. Ouais, ils se sont fait repérer. Ouais, bien joué de la part de Beben là, qui a mis à terre Tactics. Et voilà, il s'est. Ouh! Voilà, où il a pas. Ouais, l'avantage du glace au niveau des dégâts, hein, ça s'est joué à pas grand chose. Castle, il a 10 PV. Ça va être compliqué pour lui de.
En 2v1 c'est faisable, hein. Ouais, c'est faisable, c'est faisable. Ça va être en FV1 avec. Oh, dommage. Dommage, voyez, il a pas tremblé, hein, parce que là c'était faisable, hein. Ils avaient plus de vie en face et. C'était compliqué. Hein. Et c'est bien joué donc. Et. Les Z ont manqué de synchronisme. On est tous au corps à corps avec Bandy et. Bon. Heureusement qu'il a réussi à avoir. Que Glaz a réussi à faire la décale. Heureusement que Glaz a réussi à faire la décale parce que. Ouais, ils sont tous donnés un par un quoi. Ouais mais là quand même moi je suis quand même l'assaut qu'ils ont fait, alors oui ils étaient quand même bien parce qu'ils ont tous bien tous en même temps, ils étaient à 4 et du coup ils ont quand même éliminé les roamers. Après c'est vrai que vous avez réussi à faire du bon roaming tout à l'heure avec Flex et du coup ils ont totalement abandonné l'idée. Ah par contre il y a Beben, il est sur le drone Beben et je pense que c'est pour Flex et il a pas vu le drone qui est juste à côté. Et ils vont essayer de la. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Pourquoi Beben est... il est toujours sur son drone? Est-ce qu'ils essayent de la voir de loin? Ah, ils sont en train de chercher. Ah, mais il y a personne, ils sont en train de chercher, mais ils sont pas là en fait. Tactis, ils sont tous là, ils attendent. Exikos en roaming. Le drone de Spa qui va peut-être venir les trouver. One shooter, c'est bon. Ah. Il va commencer à y aller. C'est bon, il a les drones pour couvrir. Ils ont pas la deuxième information. Ça va se passer. Est-ce que one shooter va avoir Xpos ou pas? Ah, je pense que là, il voulait détruire la caméra en priorité. Et par contre, Xpos. Ouais. On va se mettre de ce côté parce qu'il a vu Spra par contre, hein, en plus de one-shooter. On est en décale, oula. One-shooter qui va aller finir, ouais, voilà. Bien joué Spra en plus qui élimine Tactis. Tactis qui a essayé de descendre pour faire la décale, la revenge. Est-ce qu'il va voir qu'ils sont à droite? Je suis pas sûr. Et là, je pense que s'il se tourne à droite, il voit Spra. Hein, Ah non, Spra il est là-bas. Oh, bien joué. Ah, il l'a vu. Ah, c'est dommage qu'il ait pas voulu aller dans, par derrière. Dommage, c'était vraiment dommage. De quoi? Ah bon? C'est mieux là. Grenade. Et décale Exode. Oui. Ah, le carré est ouvert en attendant, pendant ce temps-là. Voilà. Le temps de diffuser. Ah là là, dommage. Il s'est fait avoir. Et Fisker, il se retrouve tout seul face à 4 Unite pour aller désamorcer la bombe. Voilà. Ça va être compliqué. Bien joué là. Du coup, le Unite, ils mettent une option sur la victoire. Hein. Ils sont à 3-2. Et c'était serré, hein. Honnêtement, ils ont pas. C'est pas facile. Et 3-2 pour le Hunt Knight. Les exacts qui sont dans le mal. Hein. Ils n'arrivent pas à trouver de bonnes solutions. Qui... Ah, mais. Le roaming, ils n'y arrivent pas aujourd'hui. Hein. Ils ont perdu le roaming complètement sur Oregon. Je sais plus si c'est Fisker ou Flex, mais il y en a un des deux. Ouais, sauf le. Ouais, mais la première manche qu'ils ont faite ici. Après, je trouve dommage parce qu'ils ont fait une très bonne manche sur rouge, enfin sur bâtiment rouge, et ils sont pas retournés en roaming. Mais bon, je les trouve quand même beaucoup meilleurs que tout à l'heure, hein, face aux Epsilon, ou même sur la première map. Y a pas photo, hein, ils ont. Et on les retrouve là, honnêtement, ils sont plus à leur niveau. Maîtrise effectivement un peu plus sa map. Après, le problème sur les. Moi je trouve que le problème sur le roaming qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de revenge et que ça leur pose un sacré problème le revenge. C'est sûr, mais bon, les Unite sont bons aussi. Hein. On est vraiment sur la DreamHack, hein. On est pratiquement le top 8 des équipes FR. Hein. Alors, est-ce que ça va essayer de. Non, One Shooter qui essaie de spawn kill, mais il a eu personne. Est-ce qu'on a du monde dans le bâtiment? Non, on a personne. Bon, bah c'est pareil, ça veut dire que ça va jouer là. 3, 4, 5.
Et il y a Tactis qui va essayer de s'insérer. Tactis à la porte. Il attend de savoir s'il y a une info sur le roaming. Je ne pas qu'il se fasse un C4 dès le début. Un glace, on joue avec un blitz, on joue avec une hacha. Ah, ils vont essayer de s'insérer à deux, je pense. Ah, Yaspra, ouais. Yaspra qui doit. Yaspra qui les attend, il l'a vu. Oh, dommage, mauvais timing. Et du coup, ça va avantager Tactis aussi. Voilà, qui va commencer à venir s'insérer. Ou le C4 trop loin. Ça l'a blessé un tout petit peu, mais tranquille. Non. Cette ombre décale. Oh, Kha'Zix, il s'est. il s'est mis dans le petit trou. Et il le cherche, mais Kha'Zix, il s'est planqué. Ouais, il est pas mal. Bon, par contre. Son souci c'est qu'il va se faire capturer, mais ouais, c'était une jolie fuite. Ah, dommage. Mais ouais, c'était joli, hein, cette fuite était marrante. Mais ça va, ils sont encore bien en place. Ils sont pas prêts de. Ah, les United, ils ont encore moyen de gagner, hein, y a pas de souci. Ouais, c'est parce qu'il y a des drops. Comment il peut y avoir des drops, quoi. Il y a Beben là qui est en. Ils sont ouverts, ils sont tous au sol. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? C'est déjà ouvert le carré? Ah, je crois que ouais, ils ont ouvert. Bon, le carré qui est ouvert, donc ça va se passer. Tout va se passer de ce côté-là. Et du coup, ils sont en train de sauvegarder leur. One shooter qui a presque. Non, c'est une erreur, il a encore GPV. Et ouais, ça va être pour Beben, je pense. Hein. Ouais. Ça commence à fumer, ils vont essayer de poser. Ça va être. Ta face. Oui, il s'est fait tirer dessus. La smoke, elle a pas pu le couvrir. Ouais. C'est en train de poser. Ça a posé. Ça ouais. A posé. Attention, ça va sortir de tous les côtés. Ah, il a pas vu X-Cox. Oh, il est tombé. Oh, il est tombé l'erreur. Ah, il va perdre du temps. Il va perdre du temps. Et One Shooter aussi qui est tombé, c'est quoi cette stratégie? Ah, ils ont perdu du temps là. Oh, bien joué, bien joué. Et X-Cos, il faut qu'il y aille. Oh, dommage. Salut Gri-IB. Ah, dommage. Il aurait dû pré-shot. Il aurait dû pré-shot. Ouais. Elle a. Ah, c'était compliqué hein, comme game. Hein, Salut Gris Airbeer. Ah, c'était compliqué pour les Exodes. Hein, ils ont voulu. Ils ont pas réussi à défendre sur un one shooter qui est incroyable. Hein, c'est ce game, il a 8 kills déjà. Et il est impartial. Il fait tous les bons kills au moment où il faut. C'est incroyable. C'est pas à voir. C'est tellement bien. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, commencez à les préparer parce qu'il faut qu'on le prenne à l'interview après. Hein, parce que là, il a fait des gros matchs contre les Epsilon et là aussi hein, contre les Exodes. Donc, oui. On ira lui parler tout à l'heure. On va le chercher après. Et oui. C'est une manche décisive. Hein, si le United l'emporte, là, c'est un effet fini des Exodes qui ont fait 3 défaites aujourd'hui. Et qui sont donc 8ème. Il faudra voir avec ce qui se passe dans l'autre pool, mais effectivement, il y a des chances qu'ils soient 8ème. Hein. Enfin, faut voir avec les Diffro, je pense que ça va jouer entre les deux. Et, ouais. du coup, ça va être compliqué parce qu'ils vont tomber sur les premiers. Ouais. Et les premiers, pour l'instant, c'est. Un Team 1, c'est les Epsilon, c'est ça Je sais pas, hein. Je crois qu'il faut voir contre les Mistral. Le match a été fini, faudrait qu'on récupère des informations. Oh là, One Shooter qui cette fois a réussi à faire son kill. Ah, ça va être très compliqué là maintenant hein, pour les. Ah bah non, si. Ah non, et One Shooter il a dû tirer. Ça faudrait que je. Je sais pas comment il a pu faire. Fisker. Ah, ils sont. Alors là, par contre, ils ont pas de roaming, tu vois. Ils ont vu que ça marchait pas le roaming. Bah. Du coup, ils prennent même plus le risque. Ah si, il y a Fisker qui se présente. Ouais. Il a été repéré, il y a deux drones sur lui. Ouais.